Chamonix est à l'heure de l'UTMB en ce vendredi 29 août 2014. Les coureurs sont déjà sur la ligne de départ. Profitant de ces instants et une heure avant le coup d'envoi de la course, chacun se prépare et se concentre à sa façon. 17h30, la musique retentit et le public s'enflamme. L'UTMB 2014 est lancé sous une pluie battante. La pluie redouble d'intensité quand la tête de course arrive à Saint-Gervais après avoir parcouru 21 km. François Daen mène un train d'enfer et seuls ses coéquipiers espagnols du team Salomon peuvent le suivre. Nuria Picas mène la danse chez les femmes, talonnée par Nathalie Mauclair. La nuit est tombée et pas le temps de s'arrêter au coin du feu pour les hommes de tête lorsqu'ils entament la terrible montée vers le col du Bonhomme. Première grosse difficulté du parcours, sous un véritable déluge. François Daen, Iker Carrera, Toffol Castaner et Luis Alberto Hernando courent ensemble depuis Chamonix et aucun ne veut ralentir l'allure, même si François Daen fait tout pour décrocher ses concurrents. 5 minutes plus tard, la frontale d'Anton Krupica perce la nuit italienne. Après un très bref ravitaillement, il se lance à la poursuite du quatuor de tête, seul dans la nuit glaciale. 3h40 du matin, samedi 30 août 2014, François Daen et Iker Carrera atteignent les 2015 mètres d'altitude du refuge Bonatti dans un vent glacé. La fatigue se lit sur le visage du coureur espagnol alors qu'il tente de se réchauffer. Les deux hommes sont rejoints par Toffol Castaner et le trio s'enfonce dans la nuit alors qu'il reste encore 90 km de course. Au petit matin, alors que le soleil réveille les grandes jorasses, seuls 80 coureurs ont atteint le refuge. Les organismes sont marqués par la pluie et le froid et la fatigue s'installe. Mais ce n'est rien à côté du gros du peloton qui atteint seulement 4 tonnes au même moment sous les encouragements de nombreux spectateurs. Pour certains, c'est le moment de soigner leurs blessures. D'autres tentent de récupérer un peu de sommeil perdu au cours de la nuit ou cherchent le réconfort dans les yeux d'un proche. En tête, on ne perd pas de temps par contre et le chrono est tout autre. 17 heures pour parcourir 150 km. La performance est tout simplement hallucinante. François Daen est maintenant seul en tête et compte plus de 30 minutes d'avance sur Iker Carrera et Toffol Castaner. 13h48, samedi 30 août 2014, François Daen entre dans l'histoire de l'UTMB et le public de Chamonix exulte. Trouvaille émouvante avec sa femme et sa petite fille qui l'embrasse longuement avant de communier avec le public qui acclame son héros. Une magnifique victoire pour un coureur qui représente parfaitement l'esprit du trail et le respect des adversaires. Je menais un peu à tour de rôle avec Iker et puis il y a un moment on s'échappe un petit peu tous les deux. J'ai vu que j'étais un peu plus en forme aujourd'hui, mais le problème c'est que c'était au bout de 80 km et qu'il y en a 160, donc on sait jamais ce qui peut se passer quoi. Il est un petit peu moins bien, ça aurait pu être moi 30 km plus tard. Donc c'était vraiment, je crois que le niveau aujourd'hui était vraiment très très serré, ça s'est pas joué à beaucoup. Et... En tout cas c'était vraiment bien agréable de courir avec eux, on a passé une belle nuit, je crois qu'ils ont vraiment un énorme respect des autres coureurs et vraiment tous les trois on s'est vraiment bien entendu. Et j'ai vraiment passé un bon moment avec eux, après voilà, aujourd'hui c'est moi et j'espère que la prochaine fois ce sera d'eux. L'émotion est également palpable lorsque Iker Carrera et Toffol Castaner terminent main dans la main après qu'Iker ait attendu Toffol, illustration parfaite de leur très forte amitié. Chez les femmes, Rory Bozzo double la mise après sa victoire l'an dernier, saluée comme il se doit par le public. Nuria Picas monte sur la deuxième marche du podium et répète sa performance de l'an dernier sous les acclamations d'un public catalan très fourni. Nathalie Mauclair complète le podium, accueillie elle aussi comme la grande championne qu'elle est. Mais en cet après-midi ensoleillé, sur la place du Triangle de l'Amitié, François Daen est bien le roi du Mont Blanc.